cœur du Languedoc-Roussillon, le café en Seine à Narbonne reste mon quartier général, d'où je vous présente ma chronique d'écran local. Aujourd'hui, je vais parler de la création qui est la mienne, l'écriture. Écrire, ce n'est pas une manière de parler, c'est témoigner. Pour moi, témoigner de ma région, le Languedoc-Roussillon, de mon passage sur terre, de valeur. Ainsi, j'ai écrit sur les personnes en situation de handicap qui mettent en beauté la station de Port-le-Cat durant les quatre saisons en travaillant dans les espaces verts et qui y gagnent la dignité et, je l'espère, le respect des habitants et des touristes. J'ai écrit sur l'amour porté à mes parents dans la maison indivise parce qu'il m'a inspiré. J'ai écrit sur Gruissan-la-Fleurie, l'île aux pêcheurs, parce que j'aime la Méditerranée et ses gens. J'ai écrit sur une passion dans la vie en rouge, car ce qui s'agite à nous reste tellement mystérieux. Colère et fantasme nous submergent si vite. J'ai écrit d'elle, à partir d'un amour et dédié à toutes les femmes qui traversent les violences des hommes. Et j'écrirai encore et lirai prochainement, comme le 21 mars, le printemps arrivé, dans le village de Salelles-d'Aude, avec d'autres écrivains d'ici, continuant à notre façon l'œuvre des troubadours. Et comme le dirait Lucrèce, fin écrivain et philosophe, et toujours disciple d'Épicure, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas galacté.